Version courte, la Russie a trouvé les laboratoires, ils ont trouvé des choses étranges dedans, ils demandent des explications aux États-Unis. Ceci est en train de révéler pas mal de choses, pas mal d'incohérences et beaucoup, beaucoup de corruption dans les institutions occidentales. L'irrespect de lois internationales par rapport au traitement d'armes chimiques et tout ça, tout ça. L'État profond qui veut faire la guerre économique à la Russie, bah, Poutine qui se retourne en disant que, ok, bah, si c'est comme ça, on va rembourser toutes les dettes avec du rouble, le rouble, la monnaie russe. Cela a explosé la demande du rouble, ce qui fait que, bah, le rouble va survivre. Et donc, la Russie va survivre économiquement cette histoire-là. Et en plus de ça, ils vont survivre libérés de ce système financier corrompu des globalistes. Et c'est la folie. C'est la folie. Les amis, le monde est en train de changer sous nos yeux. Et bien sûr, on n'attendait pas à ce que ces choses-là soient transmises par les informations mainstream, par les médias de masse, qui montrent leur visage plus que jamais. Les journalistes, là, vraiment, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous devenez des complices à un crime. C'est incroyable, réveillez-vous.